Je commence à avoir froid. Tiens, prends ma cape. N'oublie pas que nous avons quitté les ports arabes bien chauds et nous nous sommes dirigés vers le nord. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes arrivés sur l'île de Sicile. En italien, on prononce Sicilia. C'est la plus grande des îles de la mer Méditerranée. Est-il possible que mes parents soient arrivés jusqu'ici? Qui sait, mon garçon, peut-être. Nous allons demander dans les ports et les marchés et partout où nous irons. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, maître de la mer. Si tu ne m'avais pas rencontré, tu serais à côté de ton père et de ta mère. Et en ce moment, tu profiterais de la chaleur de la tente et d'un bon verre de lait frais. Je suis content de votre bonne compagnie et j'apprends beaucoup de choses avec vous. Malgré que mes parents me manquent beaucoup. Nous sommes arrivés. Allez, viens, je vais te montrer la belle architecture en Italie. Regardez cette belle porcelaine. La Sicile est célèbre pour sa porcelaine. Et elle l'est également pour divers arts, comme la peinture, la musique, la littérature et l'architecture. Elle est aussi réputée pour ses pâtes, ses bonnes saucisses et ses fruits. Je vais acheter ce violon. Mais il coûte cher. Tu vas dépenser tout ce que tu as épargné pour une boîte qui fait sortir des sons. Non, ce n'est pas juste une boîte, Loulou. C'est un instrument de musique très ancien. Et en plus, il est vieux. Les instruments de musique, plus ils sont anciens, plus ils ont de la valeur et plus ils ont une bonne sonorité. Tu es sérieux? Bien sûr. J'aimerais bien que tu m'apprennes à jouer. Regarde, Ziad, c'est une église baroque sicilienne. Est-ce qu'elle est peinte d'une couleur rouge? Non. Elle est bâtie avec des pierres de sable rouge. Quel bruit insupportable! Oui, tu as raison. Je suis sûr que c'est Loulou qui est en train de jouer. Maître de la mer! Maître de la mer! Morgane m'a insulté! Êtes-vous des enfants? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a insulté en me disant que j'étais Nimrod. Est-ce que c'est vrai, Morgane? Oui, maître de la mer. Je lui ai appris comment jouer au violon, et au lieu de me remercier, il a ignoré mon bien. Cela ne justifie pas que tu l'humilies, en lui disant cette terrible insulte, Morgane. Nimrod est une terrible insulte? Je ne le savais pas. Et j'ai pensé que cela signifiait être ingrat. Dans le langage courant, le Nimrod est un fort rebelle. Et le Nimrod, dans les histoires du noble Coran, était un tyran et un despote plein d'orgueil et d'arrogance. Comment ça, maître de la mer? Vous pouvez nous raconter son histoire? Nimrod ben Canaan était le roi de Babylone. Son royaume a duré 400 ans. Il gouvernait les gens par le fer et par le feu. Il était l'un des quatre rois qui dominèrent la terre tout entière. Deux d'entre eux étaient croyants, Dwelkarnain et Salomon, que la paix soit sur lui. Et deux d'entre eux étaient mécréants, Nabucodonosor et Nemrod, le héros de notre histoire. Quelle est cette terre déserte? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Ce sont les cimetières des pauvres, monseigneur. Alors comme ça, les pauvres enterrent leurs morts dans cette belle plaine auprès de la mer. Mais c'est du grand luxe. Où est l'architecte Cushi? Je suis là, monseigneur Nimrod. Je veux qu'on détruise ces cimetières et bâtir à leur place un grand jardin pour moi. À vos ordres, majesté. Mais que faisons-nous des cadavres, alors? Jetez-les n'importe où. Hazar, le grand prêtre. À votre service, majesté. J'ai visité le temple hier et j'ai vu qu'il y avait plusieurs idoles.
Comment se fait-il que parmi tous ces dieux, il ne figure pas un dieu qui me représente ? Nous allons en faire un, monseigneur, et il sera le dieu de la force et de la sagesse, de la puissance et de l'intelligence. Je veux le voir lors de ma prochaine visite. Monseigneur Nimrod, Banoura demande la permission d'entrer. Faites-la rentrer. Assieds-toi auprès de moi, Banoura. J'ai vu pendant la nuit une chose qui me paraît bien dangereuse, que je ne peux annoncer devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu que cette année naîtra un petit garçon, et c'est ce petit garçon qui causera votre mort et la fin de votre royaume. Il va naître ? Cela signifie qu'il n'est pas encore né. Oui, il est toujours dans le ventre de sa mère. Dans ce cas, je peux encore contrôler la situation. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il nous emmène, Soumaya ? Je n'en sais rien du tout, ma chère voisine Zubaïda. Hier, chez nous, mon mari m'a dit que Nomrod était un véritable tyran. Peut-être que quelqu'un nous a entendus. Peut-être. Mais quelle est ma faute et celle de ces femmes pour ce que ton mari a dit ? Crois-moi, ce n'était qu'un chuchotement et je vais nier que je l'ai entendu. Et moi, je vais nier que je te connais. Tu ne nous as causé que des problèmes, toi et ton mari. Pourquoi parlez-vous des affaires qui concernent le royaume ? Je ne veux pas que vous fassiez de bruit, femme. Avancez en silence. Et dépêchez-vous. Comment voulez-vous qu'on se dépêche alors que nous sommes enceintes, monsieur le ministre ? Peut-être que ce fouet vous aidera à avancer plus vite. Sa Majesté Nimrod attend votre arrivée. Votre Majesté. J'espère bien pour vous que vous avez pris soin de vérifier que toutes ces femmes sont enceintes. Bien sûr, Votre Majesté. C'est parfait. Laissez-les dans un endroit sécurisé, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Excusez-moi, Monseigneur, mais il n'y a pas de résidence qui puisse contenir toutes ces femmes. Une résidence, imbécile ? Penses-tu qu'elles soient les invitées du roi ? Je vous prie de m'excuser, Monseigneur. Est-ce que j'ordonne qu'on les mette dans les écuries des chevaux ? Ne dérangez pas les chevaux. Mettez-les plutôt dans les réserves. Et que ferons-nous après qu'elles auront accouché ? Les filles qui naîtront, vous les emmènerez à la résidence des servantes. Et pour les enfants mâles ? Vous les tuerez tous directement. Où vas-tu, Hazard ? Parle-moi fort, ma sœur. Je vais dans les montagnes, où se cache ma femme. Je m'inquiète pour toi, Hazard. Si Nimrod apprenait que tu lui caches que ta femme est enceinte... Il me fait entièrement confiance. Je suis le grand prêtre du temple. Je lui ai fabriqué une idole, et il est ainsi devenu un des dieux. Mais tu sais bien qu'on ne peut pas se fier à lui. Tu as raison. Et je ne sais pas ce que je vais faire au moment où l'enfant va naître. Qu'il reste avec sa mère dans la grotte, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme fort. Vas-y, va lui emmener de la nourriture. Elle en a grand besoin. Je veux que la rivière arrive jusqu'au balcon de mon palais. Détruisez ces villages immédiatement. Je vous en supplie par les dieux, monseigneur, de laisser nos maisons. Qui es-tu ? Et qui t'a donné la permission de parler ? Je suis Carré, votre majesté, l'un de vos paysans et je vis ici. Tais-toi ! Donne-lui 1000 coups de fouet pour avoir osé parler au roi dieu sans autorisation. La femme d'Hazard a donné naissance à un petit garçon, Abraham, que la paix soit sur lui. Le père des prophètes est resté caché dans une grotte de la montagne, par peur de l'oppression de Nimrod, jusqu'à ce qu'il soit devenu un jeune homme fort. Mon cher frère, est-ce que tu vas voir mon neveu Abraham, c'est ça ?
Oui, je vais le voir. Et pourquoi tu as l'air aussi triste? Il n'écoute jamais ce que je lui dis. Il me contredit dans toutes choses. Et il refuse d'adorer nos dieux. Mais tu ne peux pas nier qu'il est bien éduqué et qu'il a une morale et de bonnes valeurs que je n'ai jamais vues chez quelqu'un dans ma vie. Tu es de son côté parce que tu es sa tante. Non, Hazard. Tous ceux qui connaissent Abraham connaissent sa valeur et l'admirent beaucoup. Si seulement il m'obéissait et adorait nos dieux. Mais il préfère rester isolé et regarder la lune et le soleil. Et moi, je ne le comprends plus du tout. Avez-vous demandé à me voir, Votre Majesté? Oui, Banora. Je fais de l'insomnie, je n'arrive plus à dormir. Excusez-moi, Votre Majesté, mais je ne suis pas un médecin. Je sens qu'il y a un danger quelque part qui me menace. Je vous en ai déjà informé, Majesté. Je vous ai prévenu du nouveau-né qui mettra fin à votre royaume. Quel nouveau-né? J'ai pris soin de faire tuer tous les garçons qui sont nés au courant de cette année. Vous les avez tous tués, sauf votre ennemi. Tu es une menteuse et une arnaqueuse, Banora. Je vous remercie, Monseigneur. Me permettez-vous de m'en aller? Non, attends. Dis-m'en plus sur cet ennemi dont tu parles. Je veux le connaître pour m'y préparer. Il apparaîtra au moment voulu. Je veux des informations précises. Quand et où? Les dieux le savent. C'est moi, les dieux. Et personne au monde ne peut m'affronter. Tu comprends ça? Le pouvoir de Nimrod a augmenté au point qu'il ne donnait à manger qu'à celui qui s'agenouillait devant lui. Pendant que le prophète Abraham était arrivé au sommet de la connaissance et de la sagesse, Dieu lui a montré le bien et lui a ordonné d'inviter les gens à la religion. Écoutez-moi tous. Esclave de ma charité, j'ai décidé de vous donner cette nourriture. Alors remerciez-moi et adorez-moi. Moi, je n'ai reçu aucune nourriture, Votre Majesté. C'est parce que tu ne t'es pas agenouillé correctement. Alors tu mérites de mourir de faim. Comment une seule date pourrait nous suffire à mon mari et moi? Tais-toi, enfin. Ça ne te suffit pas, ce qui nous est arrivé à cause de toi. Allez! Continuez de vous agenouiller devant moi. Toi, jeune homme, pourquoi tu es debout? As-tu un autre Dieu que moi? Notre prophète Abraham dit alors, « C'est mon Dieu qui fait vivre et mourir. » Moi aussi, je peux faire vivre et faire mourir. Je donnerai la vie à cet homme. Va en paix. Gloire et bénédiction à mon Seigneur le roi. Et cet homme-là, je vais le tuer. Et quelle est ma faute à moi, roi injuste? Venge-toi de lui, Seigneur, de la pire des vengeances. Oh. Alors, tu as vu? Moi aussi, je fais mourir et je fais revivre. Abraham, que la paix soit sur lui, dit « Le Seigneur fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir d'Occident. Qu'est-ce qui vous arrive, Monseigneur? Pourquoi vous êtes-vous soudain arrêté de parler? Où sont les médecins? Que lui est-il arrivé, docteur? Je ne sais pas, monsieur le ministre. Comment ça, vous ne savez pas? N'est-ce pas votre travail? Il y a des choses que la science ne peut pas découvrir. Vous êtes un bon architecte. Alors savez-vous comment le ciel peut tenir, sans aucune colonne? Non. C'est un secret parmi les secrets de l'univers. Eh bien, ce qui est arrivé au roi Nimrod est une maladie dont nous ne connaissons ni l'origine ni les causes. Je ne comprends jamais rien à tout ce que racontent les savants. Parle-moi toi plutôt, Banura. Est-ce que c'est la fin du roi Nimrod? J'arrive à voir le roi Nimrod qui se relève de sa maladie et qui revient encore plus fort que ce qu'il était. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir,
engagea une dispute avec Abraham au sujet de son seigneur. Abraham avait dit « C'est mon Dieu qui donne la vie et la mort. » « Non, rétorqua l'homme, c'est moi qui fais vivre et mourir. » Abraham lui dit alors « Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc, toi, venir de l'Occident. » Et l'impie resta confondu, car Dieu ne guide point les ingrats. Allah, le majestueux, a dit vrai. Est-ce que l'histoire de Nimrod s'arrête ici ? Non, mon fils, il y a des choses qui ont eu lieu encore plus étonnantes que celle-ci. Continuez-nous l'histoire, alors ! Le soleil est sur le point de se coucher. Il faut que nous revenions vite au port pour nous préparer à embarquer. Et l'histoire de Nimrod ? Nous la continuerons demain, si Dieu le veut.